Donc bonjour Philippe, tu es donc intervenant dans notre master chaîne globale de valeur et agrologistique. Et donc tu as un profil particulier parmi les intervenants, c'est que tu es professionnel. Nous t'avons sollicité compte tenu de ce profil parce que notre master est à voie professionnelle. Et puis la deuxième raison pour laquelle nous t'avons sollicité, ce qui nous a intéressé vraiment, c'est ton approche pédagogique, qui est assez particulière et qui repose sur une mise en situation réelle des étudiants. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter d'abord ton profil professionnel, ton expertise, et puis nous en dire un peu plus sur cette approche pédagogique que tu as développée, en particulier à travers un jeu de simulation? D'accord. Donc moi, en fait, effectivement, je suis consultant en entreprise et puis je suis consultant sur la thématique du développement rural en général. Donc pour des collectivités locales en France et puis à l'étranger dans le cadre de projets européens et aussi directement de temps en temps pour un certain nombre de gouvernements qui font appel à moi sur des thématiques de suivi évaluation de programmes de développement ou de design de programmes de développement rural. Donc au départ en formation, je suis ingénieur agronome de Montpellier, docteur en économie rurale. Alors c'est vrai que moi je dirais on peut pas faire, on est obligé de se spécialiser dans la vie. Donc ma spécialisation ça a été le conseil, mais dans ce métier de conseil je fais de la formation déjà tout simplement sur site avec les cadres des ministères ou des projets avec lesquels je travaille. On fait de la formation continue en fait et c'est un aspect du métier que j'ai toujours aimé. Et donc, je suis tout à fait enchanté d'avoir aussi l'occasion de collaborer avec l'IAM sur des formations initiales d'étudiants et effectivement bah, de pouvoir apporter cette petite spécificité de l'intervenant privé directement en lien avec des projets variés. Alors, au niveau expérience, bon, si on fait un peu, on va prendre le tour de la Méditerranée. Donc, Maroc, Égypte, Jordanie, Palestine, Liban, Turquie, après continent africain, Bénin, Sénégal, Guinée, Cameroun. Donc un périmètre assez large quand même géographique, hein, Oui, vraiment. après Europe de l'Est, donc Croatie, Bosnie, Serbie. Moldavie, Ukraine, et puis aussi des choses en Asie, Inde, voilà, donc Inde, Cambodge, Vietnam, C'est un tour voilà. du monde, ça, un petit peu. Non, Hein. pas D'accord, l'Amérique ça c'est. latine Ah, parce il te que je ne manque parle l'Amérique. Il te manque pas, l'Amérique latine. je ne parle pas espagnol, donc j'ai aucune chance en Amérique latine. Voilà, donc bon, donc c'est vrai, beaucoup d'activités de conseil à l'étranger, à l'international. Et comme j'ai dit, ben, le plaisir de partager un petit peu ça avec vos étudiants. Avec en plus donc une spécificité, ce qu'on a choisi de mettre en œuvre, c'est travailler plus directement sur l'apprentissage de la stratégie d'entreprise à travers une mise en situation où les étudiants sont dans un modèle économétrique, une simulation, et en position de devoir gérer réellement des entreprises pendant un certain nombre de périodes de jeu, avec en regardant la conséquence de toutes les décisions qu'ils prennent pendant le jeu. Je dois dire que c'est vrai que c'est une chose que j'avais pratiqué moi personnellement en tant qu'étudiant ingénieur à l'agro, et je sais que ce qu'on apprend en jouant, on s'en souvient toute sa vie. Ça vous marque. On s'en souvient toute sa vie. Donc, voilà, j'aime bien cette utilisation des jeux de formation pour apprendre avec plaisir. Et encore une fois, c'est une manière d'accumuler presque une expérience. C'est-à-dire que ce qu'on a expérimenté pendant le jeu, on ne l'a pas vécu en conditions réelles, mais en tout cas, ça va vous marquer. Si vous avez fait des bêtises, comme il y en a certains qui viennent de le faire sur la trésorerie,
je sais que demain, s'ils sont en situation de gestion d'une entreprise, ils sauront qu'il ne faut pas avoir de stock si on veut garder sa trésorerie en place. Donc voilà, c'est du vécu. On leur dit en cours, ils l'ont entendu 100 fois, mais quand ils le vivent, la mise en situation, vraiment, ils ne l'oublient pas. C'est la valeur ajoutée de ce type d'approche. On a analysé tout à l'heure le vécu de la première période. Ils avaient tout simplement oublié de regarder l'état de l'offre et de la demande. Alors que pourtant, c'est des choses qu'on apprend. C'est le béaba. Oui, sauf que quand on est mis dans la situation, ils se sont précipités dans une négociation, ils n'ont pas analysé leur marché. Là aussi, j'espère que demain, ils se souviendront qu'en phase de négociation, on est aussi en train d'acquérir des informations sur le marché pour mieux établir sa stratégie, y compris de négociation. Voilà, donc Avec cette approche assez spécifique, est-ce qu'il y a une adhésion par le jeu assez immédiate de ce public d'étudiants? Est-ce que ils se prêtent assez facilement à ce jeu? Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir un jeu qui a été développé par des collègues et que j'ai depuis repris en licence propre, qui est, bien très jouable, bien équilibré, pas trop difficile d'apprentissage, mais avec une richesse de contenu et d'exploitation possible qui est importante. Je dirais que quel que soit le jeu qu'on emploie, c'est ça qu'il faut voir d'abord, c'est sa capacité. Il y en a un certain nombre qui sont très bons, d'autres qui sont un petit peu moins bons ou un peu plus longs. Mais avec celui-là notamment, même sur des publics très variés, j'ai jamais eu de problème. On l'a joué avec des caristes, des manutentionnaires de grandes surfaces, et on l'a joué avec des élèves ingénieurs. On l'a même joué avec des directeurs financiers. Donc du cariste au directeur financier, chacun a appris quelque chose au travers du vécu du jeu. Chacun a appris quelque chose. Je n'ai pas eu de public qui m'a dit « le jeu n'a pas d'intérêt, j'apprends rien ». Donc voilà, on a un jeu qui fonctionne bien. J'en ai d'autres sur d'autres thématiques, plus développement rural, qui fonctionnent aussi très bien. Je peux leur faire confiance pour s'adapter à une très large variété de publics. Et quand un jeu est bien conçu, du chômeur, de la personne en situation de rejet jusqu'à l'ingénieur ou au cadre de l'ENA, ça peut fonctionner et ça apporte quelque chose. Oui, donc c'est vraiment une pédagogie assez puissante, on peut dire, cette approche. On va peut-être pas dire pour tous les jeux, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui sont vraiment d'applicabilité immédiate et qui rencontrent l'adhésion du public. C'est vrai que là, je viens de jouer un jour avec vos étudiants, ça fait plaisir de les voir quitter le cours en disant... c'est sûr qu'il faut y aller, on serait bien resté 10 minutes encore et puis demain matin, on est là à 9h pétante et on continue. Voilà, c'est sûr que c'est la pédagogie comme on l'aime. C'est pas pour dire, bien sûr, de temps en temps, il faut aussi des cours théoriques un peu plus ardus. Mais en tout cas, cet aspect de la pédagogie par le jeu, elle fonctionne. Bien, merci beaucoup, Philippe, d'avoir témoigné. Et nous, en tout cas, dans le master, nous sommes très contents de te compter parmi nos intervenants. Encore merci. Mais moi, je voulais dire que je suis aussi très content que l'IAM ouvre la porte à ce type d'outils pédagogiques un peu avancés, un peu innovants, un peu plus coûteux qu'un cours traditionnel. Mais je trouve que c'est tout à l'honneur de l'IAM de vouloir prendre le risque de donner cet enseignement de qualité en petits groupes, avec un vécu, voilà. Donc, le plaisir est partagé. Et je voudrais te faire réagir sur une question d'actualité. Aujourd'hui, est sorti un article dans Les Échos, se financer grâce au crowdfunding, au financement participatif. Et toi qui as une certaine expertise, expérience dans la création d'entreprises, notamment à travers la formation,
Je voulais avoir ton point de vue sur ce phénomène qui est de plus en plus important. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment un phénomène qui participe de manière forte à la création, à l'éclosion d'entreprises, notamment de petites entreprises? Alors, ce que je dirais, c'est que on a depuis des années les business angels qui ont financé, peut-être avec un niveau un petit peu supérieur de financement, mais qui financent, qui ont vocation à financer la création d'entreprises, notamment entreprises innovantes, mais ça peut être innovation technique ou marketing ou sociale, on va même aller jusque-là. Donc l'avantage de ce type de financement, c'est que quelqu'un y croit, rajoute un petit peu sur le capital propre de l'entrepreneur, et à partir de là, il y a un effet levier pour lever des fonds bancaires, du financement classique. Donc le crowdfunding, pourquoi pas au titre un peu d'un business angel. Je vais dire quand même que le business angel, ou même le banquier, il joue un tout petit peu le rôle d'expertise sur le projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y croit ou il n'y croit pas, et s'il n'y croit pas, il a des raisons que le créateur ferait bien d'écouter. Alors que le crowdfunding, là, ça peut être un peu plus facile d'aspect, parce qu'il suffit d'avoir un habillage un petit peu sexy ou à la mode ou qui parle aux gens. Au sociétal, aux citoyens, surtout. Ils vont se lancer de façon un peu généreuse là-dedans. Est-ce que les fondamentaux derrière d'une entreprise durable, économiquement viable et durable, seront là? C'est pas tout à fait sûr. Donc, pourquoi pas utiliser des sources alternatives, mais même le financement bancaire pur et dur, sa sanction, elle n'est pas inintéressante. Même s'il est négatif, on risque d'apprendre des choses. Donc je dirais, n'ayons pas peur, un petit peu l'idée pour les créateurs d'entreprises, c'est n'ayons pas peur aussi de s'attaquer au mode de financement traditionnel. Quand un projet est bon, il a tendance à convaincre tout le monde. Hein? Ceci étant, c'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative qui aide à l'incubation. Il y aura peut-être un peu plus de déchets derrière, des entreprises qui vivront pas, qui tiendront pas le coup, mais l'incubation elle-même est intéressante. Mais je dirais qu'aussi sur ce sujet-là, on a quand même, au moins en France et en région, pas mal d'initiatives d'incubation, Pépinière. d'incubateurs d'entreprises, qui sont aussi des ressources très importantes pour les entreprises. Voilà un petit peu. Mais c'est bien que ce type d'outils nouveaux se développent avec ses nouvelles forces, mais aussi potentiellement ses faiblesses par rapport à l'existant antérieur. D'accord. Merci Philippe.